Là, je suis dans la haute ville de Granville. Il y a un panorama extraordinaire sur tout Granville. Ça, c'est une rue qui porte bien son nom, rue étroite. Et j'adore venir ici pour dessiner tranquillement. Ah, c'est là, rue Saint-Denis. Alors ici, on est chez Nathalie Alain, qui a une galerie qui s'appelle 2021. Alors là, ça, c'est ma passion. Dès que je suis rentré ici chez Nathalie, c'est ce que j'ai vu en premier. Là, on a de la céramique d'une artiste qui est juste plus haut dans la rue. Ah, et il y a cette applique aussi. Bon, j'ai un peu une vraie passion pour les appliques. Ça, c'est Frédéric Régnier. Vous pouvez lui apporter votre plante chouchoute. Et il va créer un vase par rapport à la personnalité de votre plante. Bon, voilà, j'ai pas pu résister. Alors ici, on est au Petit Marieur, c'est ma poissonnerie favorite à Granville pour venir manger des fruits de mer ultra frais. Des fois, je viens ici pour prendre un plateau à emporter. Homard de chaussée, j'adorerais. Il est magnifique, mais je te mange pas aujourd'hui. Et des fois, je me pose ici. Le port de Granville est juste là en face. Trop bon. Donc c'est le lieu idéal pour faire une pause. Alors là, je suis à la Villa Les Rums, qui est sur les hauteurs de Granville. C'est la maison qui a appartenu à Christian Dior. Et donc là, je suis au salon de thé, qui donne juste face à la maison. J'aime beaucoup les couleurs de cette maison, ce rose poudré qui se mélange au crépi gris. Et ce que j'aime beaucoup dans le jardin, c'est le chemin olfactif. Là, on sent les pivoines. Et ça, c'est la roseraie que sa maman avait créée sur le chemin des douaniers. Donc c'est ici le panorama extraordinaire. Et juste en bas, il y a la promenade. Qui arrive au casino. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Merci. Alors là, je suis à la maison du Haut-Montcel. C'est une chambre d'hôte que j'adore. Elle se trouve entre Granville et le Mont-Saint-Michel. J'ai ma chambre favorite, qui est la chambre verte, qui donne sur le jardin. On a juste à ouvrir la fenêtre pour écouter les oiseaux. Et c'est très paisible. Juste à 50 mètres, au bout de la route, on tombe sur le chemin des douaniers, qui a une vue imprenable sur le Mont-Saint-Michel. Alors là, c'est le lieu où j'aime venir peindre le Mont-Saint-Michel. Pour moi, c'est une des plus belles vues sur le mont. Et que ça soit le matin, l'après-midi ou le soir, c'est un lieu magnifique. There's something